bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Corentin 4 en 2, j'espère que vous allez tous super bien. En tout cas moi c'est Coach, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash Royale. Aujourd'hui je vais vous présenter le meilleur deck Golem de Glace puisqu'il est sorti avant-hier. Donc voilà, je vais vous présenter tout de suite le deck. Aujourd'hui, petite particularité, on va combattre contre vous, les abonnés, puisque comme vous le savez, vous pouvez m'ajouter sur Facebook. Le lien est dans la description, enfin le lien, c'est juste le nom. Corentin YouTube, Corentin espace YTB, tout simplement, vous pouvez m'ajouter sur Facebook et comme ça regarder mes parties en live et même me défier de temps en temps. Enfin bref, on va tout de suite commencer, je vais vous présenter le deck. Le deck, voilà, c'est un deck géant, poison, extracteur, petit esprit de glace avec un prince, les deux nouvelles cartes, méga gargouille et golem de glace. Et enfin le zap qui fait du dégât. Donc voilà, on va tout de suite, sans plus attendre, partir en combat avec Tracker. Mais juste avant, je vais vous présenter ça. Le royaume, comme vous le connaissez tous, qui recrute maintenant à 3200 trophées. N'hésitez vraiment pas à le rejoindre si vous avez plus de 3200 trophées. On rush ensemble le top FR, c'est super sympathique. Et on a créé hier soir un nouveau clan, à savoir le mini royaume. Comme vous voyez, il y a deux fakes, mais ça, on s'en fout un peu. Nous, on se concentre sur le vrai mini-royaume, le clan officiel du royaume. Vous pouvez le rejoindre si vous avez plus de 2500 trophées. Il y aura des tournois et des combats entre les deux clans qui seront organisés régulièrement. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à rejoindre ce clan si vous avez plus de 2500 trophées. Et s'il est full, n'hésitez pas à attendre un tout petit peu. On va partir tout de suite en combat contre Trackers YouTube, qui est niveau 8. Et on va le faire tester ce deck golem, golem de glace, tout simplement, pour voir comment il le gère. Et voilà, c'est parti, le combat commence. J'ai vraiment une main de merde pour le début. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit esprit de glace. Et en fait, je vais faire un peu... Bah alors, je vais défendre son cochon, tout simplement. Ça semble évident. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas poser de golem de glace, parce que j'ai pas assez d'élixir pour défendre. Et là, voilà. Donc là, il met une des gargouilles. C'est vraiment pas suffisant pour contrer mon géant, puisque j'arrive à mettre un poison en plus. Donc ça fait énormément de dégâts, un géant poison, puisque la tour est ralentie et a vraiment énormément de mal à défendre. Ok, donc là, il n'a pas des troupes énormes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va défendre avec le golem de glace, qui est super fort en défense, comme vous voyez, puisqu'il a 1000 PV. Mais là, il a pris la charge d'un prince, donc ça lui a fait plutôt mal. On va défendre avec l'esprit de glace. Et regardez, le géant, le prince n'a tapé qu'une seule fois. Là, il fait un petit misplay en posant son cochon comme ça. Je pense que j'aurais attendu un petit peu. Donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va extracter de l'élixir. On va récupérer de l'élixir pour avoir un avantage et faire un très beau push pour essayer de choper le 3-0, puisque ce deck peut aller choper le 3-0, puisque ce n'est pas tous les decks qui peuvent aller les choper. Par exemple, quand vous jouez des decks cochons, c'est très difficile d'aller choper le 3-0, puisque vous allez grappiller au fur et à mesure la tour. Enfin bref, on commence à avoir assez d'élixir pour amorcer un deuxième push sur sa tour. Donc c'est parti. Voilà, donc lui il décide d'aller push sur ma tour de gauche et moi je vais aller push sur sa tour du roi, tout simplement. Je pense que ça peut très très bien se passer, puisque voilà, là ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter un golem de glace juste derrière, un esprit de glace. Donc là voilà, là je pense que c'est carrément fini pour lui. On pourrait limite rajouter un deuxième géant, mais on va pas faire, on va mettre un poison qui va le mettre en PLS. Regardez le golem de glace qui arrive un peu derrière. Il n'aura pas fait énormément de tables dans cette game, à part en défense, où il a permis d'annuler une charge de prince et de prendre le focus d'une sorcière. Bref, ce deck est vraiment super sympathique. Pour vous prouver qu'il marche un peu mieux, on va faire une deuxième game contre un autre abonné. C'est parti. Est-ce que quelqu'un d'autre nous a défié? Voilà. Alors, on va le refuser. Je suis désolé pour toi, mais on va essayer de prendre avec quelqu'un qui a un peu plus de trophées. Et donc voilà, donc on se retrouve pour le deuxième combat, c'est parti. Qui nous a défié? Stiti01, qui est à 3134 trophées. On va voir du coup si ce deck marche en légende, tout simplement. On l'espère, en tout cas, il est dans le flanc d'Utopia 2. Petite dédicace à toi. C'est parti, combat amical annulé. Je ne pense pas, puisque je suis contre celui qui m'a demandé en combat amical. Enfin bref, on va voir si ça marche bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça. Hein. Et on va zapper parce qu'on n'a pas envie de prendre beaucoup de dégâts. Voilà, son push qui est annulé en quelque sorte. On va voir si on pourrait pas faire un jour un petit push. J'ai enfin un petit push golem de glace plus méga gargouille, ce qu'on va faire tout de suite. Et on va argumenter tout cela d'un petit esprit de glace. Il nous met une boule de feu, ok. Donc en fait, une boule de feu, ça contre totalement la chose. Puisque le golem de glace, seulement niveau 6, il a pas encore beaucoup de PV. Mais là, regardez, on est plutôt bien puisqu'on a un double extracteur sur le terrain. Donc on commence à prendre l'avantage et il faut qu'on fasse un push géant golem avec le poison derrière pour faire beaucoup de dégâts. Vous allez voir, ça marche super bien. Là on va mettre un prince pour contrer son cochon, puisqu'on n'a pas de barbare ou autre chose comme ça pour le contrer. Et là ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre un géant juste ici. On va pas mettre de golem de glace puisqu'on n'a pas assez d'exir. Et là bien sûr on va mettre le poison, c'est parti. Ok, donc par contre ça, les barbares, ça m'avantage pas qu'il les ait mis là. Mais c'est pas grave, regardez, on va attendre un peu pour zapper sa tour. C'est bon, on la zappe maintenant. Oh, le prince qui est toujours en vie.
Le prince qui est toujours en vie, regardez le peu de vie qu'il lui reste, ça c'est vraiment super cool puisqu'il va pouvoir charger sur la tour, et enfin il a chargé sur le mineur. Donc voilà, on lui a fait un peu de dégâts, on a rattrapé l'avantage qu'il nous avait mis tout simplement à notre tour, et on va continuer à extracter de l'élixir pour avoir l'avantage et à un moment lui foutre un très très gros combo. Donc vous voyez, pour l'instant ça se passe plutôt bien pour un deck qui est quelqu'un qui est en légende tout simplement. Donc je pense que ça peut marcher pour tout le monde ici. On va mettre un prince. J'aimerais bien que ces gargouilles dégagent, s'il vous plaît. Hop, ça disparaît. Nickel. Et là, on va mettre un golem de glace devant pour voir ce que ça donne. Le golem passe devant. Il est totalement poussé par le prince. C'est super cool, ça. Mais il met ses barbares qui nous contrent totalement. Donc, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on aura même pas besoin de contrer ces barbares. Puisque un barbare sur une tour, ça ne fait absolument rien. Et là, nous, on va amorcer notre push à nous. Alors que lui, il décide de mettre un extracteur. Très bien. C'est parti, là je pense qu'on peut carrément faire quelque chose. Il nous met une boule de feu, ça nous met un peu mal. On va mettre un golem de glace, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve, il y a eu une petite coupure, excusez-moi. Mais voilà, on lui a mis un push de qualité. Regardez, on a fait tomber sa tour, c'est nickel. Et on va continuer, donc vous voyez, franchement ça se passe super bien. Je vais mettre une petite méga gargouille ici pour pas me prendre un push au dernier moment de cochon mineur. Voilà, justement j'en parlais, enfin c'est du cochon barbare mais. Et là on va mettre un petit golem de glace pour finir cette partie. Et c'est gagné, on a gagné contre quelqu'un qui était à 3134 trophées avec des troupes de tournoi. C'est à dire que là, si vous avez vu, comme ça vous ne pouvez pas vous plaindre des troupes, puisque c'est ce que vous avez dit un peu dans la dernière vidéo présentation de deck. J'avais les troupes géant 7, poison 4, extracteur 7, esprit de glace 9, enfin bref, les communes niveau 9 et tout. Donc c'était vraiment quelque chose qui est abordable à tout le monde. Vous pouvez donc jouer ce deck en légende, ça peut vous permettre de passer de légende. Dites-moi dans les commentaires si ce deck marche pour vous. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo en votre compagnie puisque vous m'avez aidé dans les combats en quelque sorte. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu si vous n'avez pas aimé, laissez un dislike, hein, ça, comme ça je sais que ça vous a pas plu. Enfin bref, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Corentin 92. Tchuss! Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne.